Rendez-vous info. Vendredi 5 avril 2024, moi c'est Jean-Baptiste Cap salue nous depuis capitale fédérale américaine et qui a présenté nous dernière édition nouvelle nous pour semaine ça. Mais ça qui t'est passé. Avec le grand cap de mini-actualité, il y a un tremblement de terre 4.8 frappé plusieurs États sous côte nord des États-Unis, tant que New York, New Jersey et l'État Maryland. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué deux membres de l'armée pays dans un moment où l'embauche l'ouvre avec l'administration Biden après la mort de 7 travailleurs d'une organisation charité. Et bien en Haïti, le conseil présidentiel a toujours dans une impasse dans un moment pour qu'il n'y ait aucun signe qui montre qu'acteurs ont besoin d'une entente politique pour être capable de prêter serment et puis installer. Une autre fois encore, on a salué tout le monde et nous disons bon week-end et merci parce que tu es passé toute semaine là avec nous et on continue à faire ça encore. Nouvelle lourde dominée surtout avec tremblement de terre qui frappait côte nord-est États-Unis, Bonnet, Jodia, Valle Saint-Louis depuis Ville New York. Jeudi à vendredi 5 avril 2024 à 10h23 matin, la terre a tremblé et c'était un tremblement de terre qui était souqué zone métropolitaine Ville New York là qui gagne en pile monde qui vit la donne dans région ça côté que moun yo pas habitué senti terre à déplacer. Selon sa service géologique américain a été rapporté, tremblement de terre a gagné une magnitude préliminaire de 4.8 et épicentre situé tout près une municipalité qui est Lebanon qui situé dans district Huntington dans état New Jersey ici aux États-Unis à peu près 45 000 dans l'ouest ville New York là et 50 000 dans North Philadelphie. Et d'après service géologique américain, le tremblement de terre est capable de ressentir par plus passer 42 millions de monde. Pas aucun gros dommage qui était rapporté, même si le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a averti la population sous possibilité pour avoir l'autre secousse qui a retourné dans une conférence pour la presse que le Tibaye. So I immediately directed my emergency management team the second we received word of this to start doing damage assessments. Moi, immédiatement dirigé équipe gestion urgence moyen à la minute que nous te recevons information. Tout de suite, nous commençons à faire évaluation pour nous voir si pas aucun dommage et si la vie monde pas en danger. Moi immédiatement te parler tout à gouverneur Phil Murphy pour offrir assistance et puis chercher qu'on est ça qui a passé dans l'État New Jersey. Ça c'est une plus gros tremblement de terre qui passait sous côte l'est là depuis dernier siècle là. Bon côté parle dans une déclaration magistrat Ville New York là Eric Adams t'a dit que pas aucun monde qui blessé que yo t'ai rapporté mais il était encouragé résident Ville New York yo pour yo t'ai abrité yo en bas meuble dans mitan yon porte au soir et à côté yon muraille en dedans carré si yo t'a senti n'importe réplique qui t'avait dit secousse tremblement de terre qui t'a retourné. Président Joe Biden lui-même tout est parlé avec gouverneur État New Jersey Phil Murphy sous tremblement de terre et puis administration pour aller bailler assistance si ça nécessaire. Selon ça, Maison Blanche a fait qu'on est dans une déclaration. Concernant tremblement de terre, moi t'ai parlé à gouverneur New Jersey Phil Murphy, il pensait toute bagaille sous contrôle. Il pas trop qu'elle sauté sous ça. Gouverneur New Jersey, qui donc toute bagaille en forme. Administration fédérale aviation FAA t'a dit que compagnie avion t'a dû espérer que vol t'a gagné un retard de 30 à 45 minutes dans l'aéroport Ville New York jusqu'à midi à cause de tremblement de terre. Il y a quelques vols qui étaient en direction Ville New York qui ont été obligés de détourner, ils ont atterri dans l'autre aéroport d'après site internet FlightAware. Et dans le quartier général des Nations Unies en tournant New York, tremblement de terre a été interrompu une séance que chef exécutif organisation Save the Children, Gentil Sao Ripto, t'a dirigé en séance urgence en conseil sécurité. Sous menace grand goût dans Gaza. Et moun kap viv dans Baltimore, Philadelphia, New Jersey, Connecticut, rive dans Boston, à l'autre zone dans Nord-Est, là, te rapporté que yo te senti te a te grondé. Et puis te a te tremblé tout. Y a quelques moun qui te couru sorti dehors pour yo te demandé ça qui passé. Eh bien, chef service, nous, Sandra Le Maire, lui-même senti tremblement de terre, lui-même tout. Moi-même, moi, j'étais dans la banlieue Washington, dans l'État Maryland, et ça que moi-même, moi, ressenti, dans mon côté, ce coup, ça frappé nous, c'est que moi, j'étais chita, et bon table, moi, et c'est un table qui est assez lourd, et puis moi, senti que la psouke, souke, souke. Et moi-même, moi, j'étais comprendre que peut-être si on gros vent, ou bien on va être comme ça, parce que les rares pour, et, on bagaille ta, déplacer table ça parce que il est vraiment vraiment lourd. Donc l'homme gardé moi ouais que et sous téléphone moi t'ai un message que Fred dit que gain un tremblement de terre qui frappait et puis après ça m'a vienne ouais que Valerio tout mettait un message pour dire que lui ressenti secousse là et dans New York. Fredner Kaimit résident dans New Jersey lui-même tout est senti terre t'est tremblé. Moi t'ai senti secousse tremblement de terre là. Et pendant que j'ai le travail, et puis, moi-même avec Fremna qui nous
ouais Kyle a secoué et puis les nous proches de yoa nous ouais tout voisin yo campé de yo a posé question est-ce que c'est un tremblement de terre et d'après autorité locale yo et t'assembler secousse là c'est un secousse qui passé et bon côté pas nous dans ouais à 4.3 magnitude qui donc jeudi à vendredi 5 avril 2024 une date historique à entrer dans annal l'histoire ville New York dans affaire tremblement de terre. Merci merci Valérie Saint-Louis, Valérie Saint-Louis passé pour mais tout monde net même mon dans service ça pas quelqu'un qui pas qui pourrait être dans zone côté tremblement de terre à frapper à et bien ou t'ai une chance ba opinion pour te dire que mon senti avec événement si là. Dans l'autre nouvelle, président Joe Biden visité Port Baltimore plus passé une semaine depuis un bateau cargo qui t'a sorti dans Baltimore pour aller et dans Sri Lanka et mes bateau ça a frappé un pylône qui lagué dans fleuve là un pont semblé à la mer. Président Joe Biden après à propre j'ai parlé j'ai fort cap fait dans ville Baltimore pour retirer morceau pont Francis Scott Key qui était effondré dans fleuve là pour bateau capable passer gain gris bateau à Daiva qui travaille pour relouvrir une principale voie maritime pays États-Unis. Président Biden a rencontré famille six moun qui t'ai pas dit la vie le pont a écrasé vendredi qui s'est passé à nettoyage avec reconstruction pont porté avec quelques gros conséquences économiques et politiques tout. Malgré le gouvernement fédéral là passer à l'action sans perdre de temps pour débloquer fonds pour tamer reconstruction hein. Maison Blanche là mandé Congrès pour approuver un seul coup tout l'argent y a besoin sans n'est pas obligé mandé l'argent d'urgence séparément. Mais caucus liberté chambre députée à Freedom Caucus répond pour dire financement comme ça pour venir avec conditions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Non, pour aller dans Marie-Noyen, côté premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, révoqué deux membres de l'armée PIA, dans ce qui semblait responsabilité de l'attaque qui fait sur un convoi, une agence humanitaire qui est basée ici, dans Washington. Alors, décision, ça apprend tout. Après, le premier ministre Benjamin Netanyahu a eu une conversation avec le président Joe Biden qui a fait connaître la nécessité pour qu'il protège travail humanitaire qui travaille dans le territoire Gaza. Et c'est une rencontre que l'observateur fait connaître que le président Biden était clair dans la décision là et il était même dit exactement ça qu'il pensait et qui, l'administration, ouais, ça qui passait exactement. Il a même demandé pour une enquête et pour enquête à lui vraiment clair et pour le dire sans passe pour qui pour dire exactement ça qui t'est passé et c'est même pas ça tout que et secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui t'a participé dans un rencontre dans ville Paris non sommet même en Belgique que et l'OTAN t'a fait et ben il t'a demandé pour nécessité pour une enquête sur question ce qu'il a nous parler dans l'autre point cap domine actualité n'a prêté n'a venu ici aux États-Unis côté président Joe Biden et Donald Trump ont remporté élection primaire qui se déroule dans l'État Wisconsin l'État qui capable faire une grande différence dans élection qui vient pour dérouler dans novembre 2024, et n'a dit que deux candidats et tout, entre temps, d'après ça, Jacques Bézé dit nous, eh bien, deux candidats, ça, y a cherché courtisé, ou bien, y a cherché vote noir américain, yo, Jacques Bézé. Électeurs dans Wisconsin t'ont voté en faveur Donald Trump en 2016, mais quatre ans après, ils ont voté Joe Biden. Dans deux cas, yo, course là, t'es très serré. Qui donc, Wisconsin qui a voté, dans un sens, ou bien dans yon lot dans l'élection ça avec un électorat qui pat pour pat divisé d'après pifo sondage. Orlando Owens, c'est premier président noir parti républicain dans zone Milwaukee, li pose en pile question. Kounye la qui est capable assurer l'idée pour éducation timoun yo? Kounye la qui est capable soutenir entreprise noire yo? Kounye la qui est capable soutenir l'idée pour gagner yon frontière qui gagne sécurité? Qui est capable soutenir droit pour un citoyen posséder zam à feu pour défendre tête li? Donc tous les deux partis ont cherché à râler de rassou dans l'élection. Ça a gagné 4 ans, Biden a remporté Wisconsin avec moins passé 21 000 voix. Il a remporté Milwaukee avec plus passé 141 000 voix. Une analyse dans l'université Marquette indique 53% de bulletins vote Biden ont sorti dans le quartier côté gagné plus moun noir. Donald Trump dit partisans lui, pas 4 procès pour crime contre lui et de l'empile dans mi-temps électeurs noirs. And a lot of people said
En pile moun dit c'est peut-être ça noir yo renmel comme ça parce que yo même tout yo té blessé et victime discrimination. Yo bagaille extraordinaire. Joe Biden pas qu'a osé perdre vote noyau dans Wisconsin et campagne comme ça d'après sa professeur sciences politiques politologue Kathy Owendy. Most individuals who follow the elections would say that without la plupart moun k'ap suivre élection ça yo k'a dit sans Milwaukee, Biden a perdu sans problème Wisconsin. Moi penser campagne Biden dans comme ça, c'est peut-être ça ou pas le en pire investissement dans publicité, dans message, dans paquet de visite. Joe Biden était dans Wisconsin moi qui saute passé là pour te annoncer un nouveau financement pour aider réparer ça le relais quelques historique. Pendant plusieurs générations, communauté noire, brune et amérindien, américain d'origine asiatique et hawaïenne pas vraiment en dans démocratie ni en dans économie. Pour Milwaukee, ça veut dire Biden a pensé à nouveau trottoir pour bicyclette, nouveau route pour bus et infrastructure moderne. Et président démocrate l'a dit, ça pral changer la vie. Quoi faire Wisconsin ça pour qu'on connaît pour qui est-ce libre de voter? I am undecided. Moi jusqu'à présent indécis. Lidwell, moi t'ai voté pour Biden contre Trump dans dernière élection yo. Mais qu'on y a moins plus penché en faveur Trump parce que ça me t'est quoi qui t'a pral mieux yo vin pi mal. Donc moi pas qu'on est dans quelle direction m'a voyé tête. Yeah, I'm definitely don't know which way to sway at this point. Et cette attitude ça dans mitan électeurs qui traditionnellement démocrate yo rend course la très serré dans Wisconsin. Rendez-vous c'est pour 7 novembre 2024 pour élection présidentielle ça yo. Jacques Lebelizer, VOA Creole. Merci Jacques Belizer et n'a profité annonce samedi 6 avril là donc demain la Voix d'Amérique à présent dans la nuit des jeunes dans New York rebranché. VOA Creole, une autre fois encore, Anessa a répondu présent dans un gros événement culturel, musical, ça, qui fête chaque année dans New York. La nuit des jeunes. Samedi 6 avril, équipe VOA Creole, là, a sous place dans Amazura, dans New York. Live, en direct. N'a parlé avec public, là, fanatique, yo, monde qui vient amuser. N'a backstage, à Katisio. Nous pote baou, reportage, à image, événement, ça, dans New York. Samedi 6 avril, à partir de 9h30 du soir, la nuit des jeunes. Branché, VOA Creole. Il y a un rappel, pas rater rendez-vous demain soir, n'a pas direct. Donc, branchez son nom sur toute la famille, particulièrement sur Facebook, pour nous connaître exactement qui en bas est là. Parce que nous pas une nouvelle, nous pas dans le pays d'Haïti. Mais le conseil présidentiel n'a pas été sous place, dans un moment, décret pour nommer même institution ça, ou bien même et conseil là, pour qu'on publie dans le journal officiel Le Moniteur, Yves Manuel. Conseil ministre adopté dans mi-temps semaine nan, projet décret qui gen pour ak fonctionnement conseil présidentiel là. Cependant, non personnalité qui fait partie de institution ça pour qu'on publie dans journal officiel Le Moniteur. Pendant ça, parti qui engagé dans négociation qui visait mise en place conseil présidentiel là a travaillé pour harmoniser projet décret ak accord politique là. Décret qui gen pour ak création conseil présidentiel ak accord politique là a fait objet de yon sel décret pour publier dans Moniteur selon yon membre conseil présidentiel là qui t'a parlé avec VOA Creole. Conseiller qui pas de nous citer souligné hier jeudi en te gagné yon rencontre entre conseiller présidentiel yo ak acteur politique yo sur question si tout bagay allait bien deux documents sa yo t'a finalisé jeudi vendredi et puis retourner à jeune CARICOM pour suite nécessaire c'est ça Soslan ajouté pour le dire. Mopod qui dans collectif 30 janvier qui désignait Edgar Leblanc fils dans conseil présidentiel là dénoncé dilatoire bon côté conseil ministériel cap utiliser tout artifice pour faire temps passé et lancer en même temps un pinga by conseiller présidentiel yo qui selon patient doit aller vite et bien selon même conseil présidentiel yo décret sous création conseil là sans compter accord politique là doit publier dans journal officiel Le Moniteur pendant week-end ça pour conseiller présidentiel yo capable installer dans palais national avant longtemps. N'a souligné gang armé yo fait plusieurs tentatives pour prendre d'assaut palais national pendant toute semaine là. Est-ce que il y a une disposition qui pral prendre pour recevoir même conseil présidentiel yo dans plus gros symbole politique paysan yo dossier n'a suivre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.
Toujours sous même nouvelle ça, c'est le ministre haïtien Evans Paul plaidé en faveur d'une rencontre et haut niveau avec pouvoir judiciaire, avec membre conseil désigné avec l'autre acteur important du gouvernement de monsieur. Ouais, si vous avez une solution dans la crise politique là. C'est le ministre Evans Paul qui prend une question correspondant à nous ou dans tout ça. Question qui a rapport avec démarche mise en place, il y a un conseil présidentiel dans tête pays d'Haïti pour bien faire choix un juge au niveau Cour cassation pour assurer résidence provisoire paysan, continuer susciter débat bon côté certains leaders politiques haïtiens, parmi eux ancien premier ministre Evans Paul, qui dit qu'il a préféré Cour cassation. La préoccupation par nous, c'est pour une route qui paraît plus courte, qui paraît plus facile là, chemin Cour de cassation, il y a deux avantages. Premièrement, nous l'expérimentons déjà. Deuxièmement, il y a une possibilité ou choisir un monde. Troisièmement, une question fondamentale. Monde qui a sauté là-dedans, là, pas juge et parti. Parce que dans le conseil présidentiel, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont parti, ils ont dit, ils ont un président, pas grand-rien qui dit, on va le privilégier parti. Parti, on va le faire, ça, c'est pour une accusation. Mais il y a une suspicion légitime. Or, on connaît que juge Cour de cassation, il est réputé non-partisan. Ancien premier ministre Evans Paul estimait Conseil présidentiel transition, hein, ça n'a pas de problème. À aucun membre là-dedans, capable de provoquer quelques problèmes. Lors d'une situation où il y a 7 monde qui vous décider, 7 à 9 monde qui vous décider, eh bien, bah, elle a excessivement lourd. Et si on apprend sur le plan très symbolique, dans le palais national, on fauteuil présidentiel. Il n'y a ni canapé, ni banc. Alors, même sur le plan logistique, il va y avoir un gros problème pour accommoder 7 à 9 mounes et pour avoir un cortège. Parce que si c'est président, il faut traiter en tant que tel. Alors moi-même, moi, garder aspect efficacité. Mon deuxième problème, c'est problème mécanisme, mon vision pour faire. Qui peut nommer ce conseil présidentiel? On va pas demander petit pour le faire papa. Bon, bah, il y a les hiérarchies des normes dans l'État, pour pas qu'à demander des ministres, pour nommer président. C'est le monde à l'envers. C'est ça que fait depuis l'autre jour, on bataille qu'a fait. Arrêtez à pas qu'à publier parce que la anormale, bon, m'a même dit illégal, illogique. Et nous sommes l'État, même si nous faibles, même si nous avons des problèmes, nous avons des procédures, nous sommes obligés de respecter. Mais au-delà des procédures, moi-même, ça plus préoccupé maintenant, c'est efficacité. Ancien premier ministre Evans Paul partageait l'idée tout pour que pouvoir judiciaire tachita parler avec l'autre acteur sociopolitique haïtien sous base d'une entente plus inclusive pour capable résoudre crise politique haïtienne. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Correspondant nous, Mazadou, vous mettez pour mener un micro dans la capitale là, côté de rencontre avec citoyens, qui ont même été ma opinion sur ça, au pensé de conseil présidentiel, ça, qui est ce monde qui doit diriger? Quelques militants politiques qui étaient d'accord pour parler dans le micro avec devant caméra, nous, ils ont choisi différents. Sous le monde, ils ont voulu un président conseil transition. Militants et l'avalation, militants des bases, organisation des bases, ont demandé et Nessil Voté alias chinois, on a besoin qui pour diriger tête conseil présidentiel là, qui pour entrer dans le palais national. Et c'est monde ça qui peut retirer et gros âme ça dans le quartier populaire. Moi-même, je crois avec Gadi Leblanc, rive la tête commission, vous êtes dans le national, même clair, je dis, et Gadi a fait sale de faire, parce qu'il a une très bonne équipe, et il va le faire. Et Gadi, il qui va aller vers des ministres, des ministres. Non, mais même clair. Et, vous avez le monde qui a fait le pays, que Dieu m'entend. Et vous avez Gadi, président, vous avez le président, vous avez le président, vous avez le président, clair. Gadi, c'est une langue d'après moi, qui est le président conseil là, mais. Si on bat tout, Gilles, tout, pas de problème. Parce que nous-mêmes, depuis, ouais, ça y est, là, ça c'est final l'allié. Depuis, nous, l'intérêt, peuple, là, d'abord, nous-mêmes, nous, d'accord. Nous faisons choix, nous faisons, c'est ancien sénateur, c'est docteur Gilles, Gilles. Raison, parce qu'il est toujours campé beaucoup de peuple, dans le moment difficile, ça, peuple, là, nous choisissons un monde qui l'a quand nous. Ça n'y pas fait aucune personnalité, il y a un dirigeant organisation sous le pal, quoi. Faut que le monde qui apprend tête pays a des capacités pour affronter groupe civil armé. Nous clair,
Si tu as un responsable qui t'a en charge le pays là, alors je ne sais pas, moi c'est ça que. Ça, c'est le deuxième, il faut que je dise. Il faut que l'État en criminel notoire qui a décidé pour le peuple haïtien. Et qui a répondu avec l'ICIFE, ça, qui a théorisé la population. Parce que souffrance pour l'empile. Face à la crise multidimensionnelle, pays a prôné là, citoyens saillent plaider en faveur poursuite mise en place conseil présidentiel transition. Même en tant que militant qui a bataille au niveau de tout le pays, nous demandons, pressé, faut que nous fassions installation et pour nous sortir avec un bon gouvernement pour sortir du pays dans la crise qui est là. Et pressé, c'est lui-même Naptan. Nabdi, si messieurs, dames, ministres, vous voulez faire conseil des ministres pour arrêter de sortir pour Joseph Pierre Louis signer pour la guerre dans le ministère pour dire mais qui est-ce qui a venu président du conseil là? Je vais faire ça pressé. Parce que ce qu'a fait là, pas de qui monde dans le pays là qui est à l'aise. Parce que faut que nous venions avec une solution parce que ça sera son petit qui n'a pas ça. Et si ça n'a rien dans l'arrivée là, faut qu'il y accouche. Et nous avons demandé la police à prendre toutes les dispositions pour régler et périmètre chaîne massa pour cette même ça présidentielle là qui a installé dans le palais national. Nous devons dire pendant toute journée jeudi 4 avril là, coup de balle participant chanté dans le périmètre palais national avec zone qui a avoisiné Lyo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vulmé pour Véroi Créole. N'a pas quitté Port-au-Prince, nous parlons dans la ville Cap-Haïtien. Côté la police dans la ville là, mais arrêté un passager qui a accusé comme membre gang dans le moment où il a parlé dans Miami, Gérard Maxino. C'est dans l'aéroport international au Cap-Lan que la police a arrêté jeudi 4 avril 2024 là, Vladimir Joseph, qui, selon l'institution policière, t'ava un présumé criminel qui t'a fait partie des bases aviennes. Inspecteur divisionnaire Aol Jean, qui se porte-parole de la police dans nos pays, fait qu'on Vladimir Joseph, t'a essayé de quitter le pays dans le cadre du programme Biden. La police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien individu qui est Joseph Vladimir, qui a 38 ans. Donc, selon l'information que nous avons, monsieur, c'est d'avoir un chef de gang qui a fonctionné dans la zone Savien. Et donc la police dans la ville Cap-Haïtien est en contact avec DCPJ sur le dossier M.A. et tout comme nous en contact avec DCPJ pour plusieurs autres cas de criminels qui ont intention de passer dans l'aéroport Cap-Haïtien pour aller dans leur pays. Cependant, Vladimir Joseph déclaré la police ferait li pa yon gang. Commissaire gouvernement au Cap-Lan, Charles-Édouard Durand, terrain n'est pas la suite, dans le commissariat police Cap-Haïtien, côté l'été visité prévenir. Commissaire a fait connaître, yo pral mener bon jan enquête sous dossier ça. Donc, pral mener enquête approfondie, puis yo découvrir si ça va dire, si c'est vrai, c'est tout là, parce que nous-mêmes, nous pas jouer avec sécurité dans la juridiction. Donc, quoi qu'il en soit, la juridiction est faite avaler normalement. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Fête d'Amérique. Nouvelle souveraine de Tio avec Sergio Rodriguez et Jude Doncé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sous VOA Créole. Nous allons parler de Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, qui, malade journée aujourd'hui, malgré le coco mourir, il y a un chirépite qui éclatait en trois petites lions. Et puis après ça, nous allons parler de Etienne Maïla avec Jude Doncé. Le français Alain Delon, que le public haïtien connaît bien, et spécialement la génération qui était grandie dans l'époque années 60 à années 70, et bien, il est malade grave. Mais il y a des gens qui pensaient que mon sacré industrie cinéma la France, là, qui a l'âge 88 ans, journée aujourd'hui, a subi une humiliation de ce qui a placé lui sous surveillance renforcée. Alain Delon a fait un accident vasculaire cérébral, là, que nourrit les strokes en anglais dans l'année 2019. Il a souffert qu'on y a un cancer lymphatique, et bien, il a été placé lui sous un régime sauvegarde judiciaire depuis le mois de janvier passé. Qui donc, mesure surveillance renforcée, là, c'est une démarche qui est trop lourde. Ça, malade, a besoin vraiment vrai, c'est bon genre encadrement dans la vie tous les jours, et puis, pour le capable de dépenser l'argent, de posséder, Jean Le Pipito, d'après sa avocat, Maître Berton, dit sous question. Avocat a continué pour le dire, il pensait mesure celui-là dépasser les bonnes parce que lui humilié mon sacré cinéma français, hein, du fait que le poco perdit tête li, comme Jean-Aubert Philippe t'a dit, il toujours qu'un bon sens li.
nous devons préciser que depuis mois janvier qui s'est passé, il y a un chier et puis un petit lio, à savoir petit garçon Anthony, 59 ans, Alain Fabien, 29 ans, et petite fille Anouchka qui a 33 ans lui-même. N'a dit que film qui était révélé acteur par le monde entier, c'était film Plein Soleil là, qui était paraît en 1960, mais c'était avec Woko et ses frères qui était paraît en 1960 tout. Parmi les films consacrés cinéma français a été joué, nous allongeons douette sous le Guépard, qui pouvait emprunter réalisateur italien Luchino Visconti en 1963, avec La Piscine, qui pouvait Marc Fabrique cinéaste Jacques Deré, un film qui était sorti en 1969. Et bien, moment arrivé pour nous passer qu'on n'a pas jus de ronceré pour nouvelles dans Etchemaïla, dans Miami. C'est jeudi que ça te passe là, dans le cadre soirée Happy Thursday, dans Blue Martini Nightclub de Fort Lauderdale, l'État Floride, que Roberto Martino recevait un Lifetime Achievement Award pour contribution T-Vice à l'évolution musique haïtienne. Ses compagnies de production RNA Promo qui te baillent l'honneur et spère. Après tout ça, je viens faire dans le business, là, les bon des fois pour que des monde qui reconnaissent la valeur, ça nous fait. Merci un peu, ça arrive droit au cœur. Et vraiment, ça fait plaisir, ça me courage à force. Pour continuer le travail, continuer à faire cause. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Rara Lakai de Miami, célébré semaine passée 21 l'année existence li. Wisner Charles, alias T-West, qui est fondateur dirigeant Rara Lakai, a expliqué. Ça veut dire pour lui, 21 l'année à Rara Lakai. Et 21 Rara Lakai, il n'y a pas de bagaille pour moi. Raison, jusqu'à maintenant, nous là, sous sol, là, toujours dans la communauté haïtienne, nous toujours à travailler. Malgré nous pas jouer support communauté, la plupart de la communauté haïtienne qui pourrait aider nous, travail vétérinaire. Mais ça n'a pas fait nous décourager, nous toujours à Québec. Pour nous, est-ce que nous faisons plus tant toujours dans la communauté. Merci infiniment, Jude de Ronceret, pour toute bonne information sérieuse. Pour nouvelle souveraineté, moi c'est Sergio Rodriguez. Groupe Kwasa a marqué 30e anniversaire dans Miami avec un sommet économique ou un sommet des finances internationales. Eh bien, collaborateur Jacques Bizet a parlé avec ingénieur Jean-Marie Altema, qui est directeur exécutif groupe financier Profit. Le sommet a fait le 30e anniversaire groupe Croissance, qui est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Nous connaissons Christian Farel qui a dirigé groupe Croissance et qui a des émissions dans des radios et qui fait un pile d'intervention tout sous question budget en Haïti. Donc, son sommet qui est toujours fait en Haïti, mais pour 30 ans groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner souffler groupe Croissance pour que nous gagnions sur ça Miami 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de la Offices of Fund de Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda pour financement économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet ça, il y réunit, j'en dis, des acteurs d'Haïti, donc, et de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, c'est pas un sommet côté que nous parlons parler de finances, nous parlons parler de seulement qui gens Haïti capable de relever le souffle de crise, mais nous avons présenté, nous avons venu, nous avons un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous avons remercié surtout pour l'effort que nous avons fait, qui a venu, c'est de monde qui a des projets qui ont exécuté en Haïti. Et rendez-vous, nous pas oublier, non? C'est samedi, dans New York, équipe Curlap sous place pour nous porter pour encore la nuit des jeunes. Et puis tout, je dis à ce vendredi, soit conduit, pas consommer alcool, et ce consommer alcool, pas conduit. Bon, merci gentil, Augustin, avec tout notre collègue, moi. Faites attendre pour te permettre que parlementaire renouvelé ensemble de ça, même pas de chambre faite. Donc, depuis là, tu as commencé à violer, ça n'est les constitutions selon ensemble de acteurs. Vingt après là, moi, Jovenel, on te mette à rien, ça veut dire, nous parlons de constitution, même. Mais il y a un acteur qui dit, c'est vrai dans la constitution, mais il y a un peu près, au lieu que nous voulons aller dans CARICOM, au lieu que nous allons aller dans SIN, aller dans ça. Mais il y a un acteur qui est déterminé, qui dit que
c'est dans le conseil présidentiel qui a parlé de Guy Philippe. C'est là dans New Year. En tout cas, dossier en pile, nous avons examiné pour que sur la discussion. Est-ce que nous-mêmes, comme journalistes, comme directeurs d'opinion, est-ce que nous avons droit à des opinions? Est-ce que nous avons droit à faire des analyses sur ensemble de points ça? Oui, nous avons droit à ça. Parce que nous là pour nous capables d'éclairer l'antenne, nous. Mais en même temps, tout, nous avons droit à tout prendre des acteurs qui comprennent la crise dans le bien et qui ont placé mot par yo avec nous dans l'émission. Désir Venesse, comment est-ce que avant que nous soyons invités? L'invitation, c'est toujours un plaisir. Chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous rejoindre avec des amis internautes qui branchent un peu de partout à travers le monde, surtout les Haïtiens qui étaient croyants, faut qu'ils aient été attachés avec ça qui a passé la caillou comme information. Et au fait de confiance, nous comptons l'autre fois pour nous rejoindre, pour nous venir analyser, venir questionner, venir décortiquer, venir garder ça qui présentait en dedans pays à presque, et depuis plus passé 32 mois, bagaille, il y a 4 fois plus difficile dans pays à côté la vie, moun a perdu valeur, moun yo plongé dans chômage à total, dans grand goût, et ben, ça finit la cause, gagner yon taux de criminalité a cap augmenté presque chaque jour. L'explication de temps que soit dire, c'est question de proposition sortie de crise, soit yo aller dans le conseil présidentiel et vers CARICOM qui gagne 7 à 9 membres et aller dans le conseil présidentiel toujours à 3 membres qui yo fait quoi c'est consensus qui sorti dans organisation avec secteur politique yo, c'est comme ça tout gagne l'autre observateur, l'autre acteur au cap garder qui dit yo ta vle aller type près constitution, c'est comme ça tout gagne de l'autre qui gagne des positions nous ta dit d'opposition avec monde qui dit proche ou bien plus près constitution. Je dis, c'est soit dans la constitution ou bien pas dans la constitution même. Parce que dans ça que constitution soit article 49, c'est d'autres garder, dit question vacances présidentielles là. Nous pas là-dedans. Depuis les jeunes, t'es fin de mourir. Nous t'es dû aller, soit nous t'allons dans coup déclaration, coup d'effet et transition, qui t'a permettre au moins, que nous permettre respecter sa constitution, te dire, nous t'es quitté le passé, et qu'il n'y a pas question des vacances présidentielles, il n'y a pas question des temps morts présidentiels, c'est ça qui fait que, en plus, le monde a donc garder ses bases, consensus, qui va permettre que Bagala sorti dans ça qu'il y a, mais ça va empêcher que, ensemble position, à terre, y arriver, partager, plein de personnes qui rendent chaque citoyen et citoyen, y bouillé, mais soit garder question. Population, légitimité populaire, à travers les réseaux, à travers les réactions qui fait sur les médias traditionnels, il y a chaque bon côté qui est au cependant, conseil présidentiel ou bien ensemble acteurs qui n'ont pas comme eux, ils mettent des balises qui chita sous base d'exclusion totale pour ensemble de monde parvient participer dans le bagaille. Parce que il y a pas de bagaille ici qui a réfléchir, c'est bagaille département d'État, c'est bagaille ensemble petite communauté non indépendant qui regroupé dans l'organisation régionale là, qui a réglé les situations qu'on y a, n'a parlé avec acteurs pour nous faire comprendre qui est dans eux. Qui a parlé d'Haïti, qui veut, c'est Haïti même qui est sous table là, capable de réfléchir avec l'autre acteur qui est volontaire pour nous être payé en salaire à la situation. Nous prenons parler, c'est vrai, son habitué dans Kailan, nous parlons avec plusieurs fois déjà, mais pas oublier, à chaque fois que il y a des moments qui m'ont dit, nous prenons faire appel avec deux acteurs qui nous parlé déjà, parce que pas oublier, les que nous prenons des gens qui connaissent, de connaissaient, la aide nous comprendre plus bien. Nous prenons parler avec Olivier Pierich, c'est ancien ministre haïtien qui avait à l'étranger. C'est un dirigeant de parti politique, mais c'est un homme de loi tout, c'est un avocat de profession qui donc nous prend garder aspect politique et aspect technique la loi dans question constitution coup de cassation tout ça yo. Olivier Pierich, son plaisir pour avec nous là. Eh ben, sans plaisir pour moi répondre à invitation d'Acadie de mousqueter ça yo. N'a choisi mettons fin à mettre nous pour faire quoi. Soit mousqueter. On est voix femme, voix fille à son l'autre bagalier. N'a pas pensé sur ça. Bon, alors, question, c'est peut-être pour pas gagner une qui râle plus que l'autre. Mais de toute manière, je pense que pour peu pas ici. Des filles à tout cas, des jalousies. Non, des filles à tout cas, jalousie, tu vois pas. Ah, gueule. Non, mais moi, qu'on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. Mais n'est-ce que la Tibonite, n'est-ce que jaloux en ville? N'est-ce que la Tibonite? Ah bon? T'as moi? Ministère moi, Blaise Agacha la soudome? Non, 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 Marie-Jasmine, parce que c'est non, mon nom. C'est moi qui t'as la Tibonite, tout la Agacha la soudome, c'est moi jaloux. Ça, tout si, Oli, c'est pas la Tibonite tout. En tout cas, frère, m'jaloux, jaloux. Non, c'est pour la loi, monsieur Abdi, ça, et pas pour moi. Ok. On était bien. On était fait tirer là parce que c'est vrai, nous pas qu'à comme si c'était trop comme des robots et on était fait tirer là mais en nous était connait dans dossier sérieux, j'ai fait mise en contexte là. J'aime te dire un homme de loi, avocat de profession et qui gagne de grandes connaissances, de grands savoirs et qui était toujours à travers et parti reconstruire Haïti si je me trompe. Qui était toujours dirigé vers ce qu'on appelle la Cour de cassation. Et Andy Olivier Pierich, je dis,
Monsieur Mande Koto, je connais la Cour de cassation. Mais qu'on a qui lecture qui compréhension fait de question conseil ça et conseil présidentiel CARICOM non avec de monde qui là dans comme représentant yo et ensemble de sa cap dit là yo par rapport avec en même andadi même gouvernement démissionnaire là Jacques qui a essayé garder là par rapport avec causer conseil ça. Bon, on nous essayer comprendre actualité politique haïtienne là. Souyon l'autre angle et puis cap permettre Edo comprendre pour qui ça acteur yo gagné comportement ça. On nous dit que sept membres compromission présidentielle CARICOM non monsieur yo nan compte avec madame yo. D'ailleurs, et n'équipe plus jeune nan conseil compromission ça, li peut-être presque dans cinquantaine ni s'il pas commencé quarantaine ni déjà. Yo nan contact madame yo, gen la dan aussi grand-père yo ye. Yo nan contact madame yo et puis yo pas ka entendre yo ka la pral perdu, ça veut dire gon paquet dette que yo gagné petit ap rentré et puis kounya pendant pas ka entendre yo un voisin qui sorti bien loin qui tend des discussions que yo gagné entre yo voisin a décidé li di nèg la mon cher pour ou rive retourner rentrer dans kay la pour al vivre avec madame ou faut me voir on nèg coucher madame et puis li di madame nan pour rive entendre avec ma ou pour tourner dans kay la pour al vivre Fom voye on fi bay mari ou. Et puis, yo continue à réfléchir. Et dit, bon, finalement, j'en vle pou nantan nou, sou kaban nan, ke nou pral kouche ya, pou nou kapab viv ansam an dan ka la, map voye on fi bay mari ou, map voye on nek ba ou. Et puis, Monsieur Sayo qui nan compromission présidentielle là, y accepté pour voyer on fi ba yo. Et puis madame yo accepté pour voir on nèg ba yo, mais qui j'ai ouvlan tan yo pour coucher sok pour réconcilier. Mais image 7 ou bien 9 monsieur dame qui choisi pour rentrer dans conseil compromission CARICOM. Pourquoi ça c'est qu'on s'en choisit ou choisit un petit présenté yo? C'est juste yon figure de style, mais son réalité ou présenté yo là. Son figure de style qui correspond à réalité, monsieur, à nom, monsieur, à état d'âme, monsieur, à l'esprit, monsieur, à comportement, monsieur. Peut-être qui ça? Le ou te mari ou tap vivre ensemble, la loi te dit mais qui gens pour capable mener la vie yo mais qui gens pour yo là ou gen discussion parce que langue dans pas jambe pas modé là ou gen discussion mais qui gens pour réconcilier pour yo vivre ensemble au lieu d'accord pour yo gens la loi dit yo pour yo réconcilier pour yo vivre ensemble yo préférer ces étrangers qui dit bon pour nous vivre ensemble mais ça moins imposer nous eh ben Qui est-ce qui représente la loi? C'est moun kap défend constitution 29 mars 1987 là, kap défend application constitution. Dans un premier temps, c'était parti reconstruire Haïti. C'était chemin de délivrance Haïti que professeur Jean-Élisée Célis kap dirige. C'était quelques autres parties timidement qui t'a parlé dans la question. Mais au fur et à mesure que nous continuons à dire, mais ça la loi dit, mais sa constitution dit, mais qui gens pour nous comporter nous, eh bien, tout prix, puis fort parti politique, leader politique, yo tout qu'on a vint dit, ah oui, en entendant sous constitution 29 mars 1987, là, qui dit nous c'est dans la cour de cassation pour nous aller, pour nous continuer vivre en tant que peuple, en tant que monde, au lieu que c'est CARICOM, qu'al dit nous, pour nous retourner vivre dans ce là, faut bay nèg la on fi ou faut bay fia on nèg et puis pour quatre ça vivre ensemble. Ça veut dire que mes situation pays a et parallèlement gon l'autre groupe nèg même qui camper yo dit bon nous-mêmes quand nous réconcilier
nous préférons venir avec zam nous, n'a cassé prison, n'a boulé magasin, n'a boulé banque, n'a violé petite petite yo, n'a et volé meuble yo, n'a cassé caisse là, n'a prend tout ça gagné et puis c'est comme ça nous les vivre. Maintenant, dis-moi s'il vous plaît, au lieu pour choisir pour yo bo on l'autre fille madame ou ba madame ou l'autre nèg sou et puis on fait nous tout à vivre ensemble son seul cabane au lieu pour ton groupe nèg qui vini k'ap craser k'ap briser k'ap démonter k'ap la bloc par bloc k'ap voler tout meuble k'ap voler tout assiette yo ki a voler tout ti réserve ou te gen ti sorte serré tiré par un côté fait a mon cher mille une fois plutôt ou aller dans sa la loi dit le nous en discussion qui j'ai pour nous comporter nous. Mais la même où tu as dit que OK en noir aller dans la loi dit mais même côté dans la loi dit en tout il y a des acteurs qui trouvaient que et il y a des bagages qui pas respectés en termes de principes procédure dans la loi dit côté nous dit nous voulons diriger nous qui c'est la cour de cassation parce que là gon débat qu'a fait des juges qui régulièrement nommé juges qui Ariel Henry était nommé c'est-à-dire qu'on débat qui pesait là de question cour de cassation mettez surtout gars de monde de connaissait la loi même j'ai avant tout qui parlait de cas de vacances présidentielles et il montrait que là nous parlons cas vacances présidentielles nous avons un cas de force majeure là nous pas qu'à dire que nous allons en cour de cassation c'est consensus qui capable ban ça besoin là comme solution même si m'ta envie d'accord même si m'ta envie d'accord avec vous mais faut me rester dans la loi et ça comme toute figure de style ça pour oui oui sa constitution dit constitution ouais. Dit le gain vide dans niveau pouvoir exécutif là au niveau de la présidence pour quelque cause que ce soit n'a préféré nous dans pouvoir judiciaire là nous parlons dans cour de cassation nous prendre le président cour de cassation hein, à défaut président vice-président à défaut président et vice-président juge qui pis ancien c'est-à-dire la loi résout lui dit pour quelque cause que ce soit. Non, article 149 constitution 29 passe 1987 là qu'on prend constitution créole là qu'on prend constitution française là que yo dit qu'il t'a mandé par exemple amendé vrai pas jamais amendement zouli ça veut dire mais ça la loi dit comme on a essayé di vide présidentiel vacances présidentielles et qu'est-ce que Jean Abdilan mon cher l'on est mouri l'on moun mouri quel que soit Jean mouri c'est mouri le mouri ko ballon balle dans tête ko plonger dans de l'eau ko ballon poison c'est mouri le mouri ou dit il est mort de sa belle mort maintenant à partir de ce moment pour quelque cause que ce soit constitution 29 mars 1987 là li résout li et li dit nous qui gens pour nous combler vide là dans niveau pouvoir exécutif là dans niveau présidence là la pas un juriste qui vienne faire quoi on l'autre et tentative d'explication cosmétique pour faire plaisir pour entrer dans compromission avec monde qui voulait violer constitution qui voulait violer la loi constitution en clair bon maintenant bon même sous ta dîme il y a des juges qui mal nommé nous même dans parti reconstruire Haïti qui je nous dit un juge mal nommé. Un juge mal nommé, c'est président pays, que ce soit président légalement élu à 50% plus 1, j'ai la constitution en dit, ou bien que ce soit président provisoire, c'est président qui doit nommer juge à la cour de cassation parce que c'est une attribution présidentielle liée. Le fait que son attribution présidentielle, le on juge dans cour de cassation, c'est pas président nomo et dans cassante là, c'est conseil de gouvernement que docteur Ariel Henry te dit dans tête liant, c'est li nommé ou capable briller mal nommé. Arrêter qui nomme l'en mal, pas bon. Cependant, vu ça yo dossier est passé par devant commission justice Sénat qui étudie dossier yo et l'elle fin étudier dossier li un dossier conforme à constitution à procédure là li transférer sur une liste by pouvoir exécutif là nombre de juges qui qualifié yo et juge ça yo une fois exécutif là li recevoir yo faut exécutif là rive nommer chaque fois gon vide dans cour de cassation exécutif là
présidence là l'aller dans liste là li nommé yon et c'est il pas qu'il doit sauter une pour aller prendre l'autre c'est pour commencer dans premier dans deuxième dans troisième parce que c'est trois listes qui viennent devant lui c'est trois listes dans chaque liste yo li prend premier là les autres dans premier il prend deuxième là les autres dans deuxième il prend troisième là les autres dans troisième il prend quatrième là ainsi de suite jusqu'à ce que liste tous les trois listes complètement épuisées le toute liste yo complètement épuisée li mandé encore parlement par sénat la république pour voyer liste bali encore que ce soit en commission bicamérale mais le voyer mandé commission justice sénat pour voyer liste bali parce que liste complètement épuisée ça veut dire ouais après question y a des juges mal nommés c'est seulement dans arrêté et seulement dans arrêté que ce soit c'est président cour de cassation que ce soit l'autre juge dans cour de cassation cependant un fait certain pouvoir législatif là n'est pas existé les suspendre fonctionner parce que pas de gain renouvellement pour un pouvoir législatif là attend les pas existé pouvoir exécutif là il pas existé qu'on a parce qu'il était vide dans niveau présidence là maintenant vient un vide dans niveau primature là et sont question de procédure et dans niveau primature là vient gagner une situation un conseil de gouvernement qui démissionnaire maintenant qu'on y a là nous fin résoudre problème par la loi par la constitution tout le monde cap essayer pour être capable de résoudre par compromission par consensus ou pas qu'à faire un consensus qui en dehors de la loi qui en dehors de la constitution il n'est dit nulle part n'est pas existé nulle part dans la constitution 29 mars 1987 là et même les constitutions antérieures n'est pas existé côté ou capable faire une commission une compromission présidentielle pour mettre dans notre pays.